Maxime, aujourd'hui on est dimanche et on va regarder ensemble quelle va être la tendance de votre semaine. Alors déjà pour commencer les amis, faites bien attention sur tous les signes de feu. Vous allez avoir tendance à vouloir dire toutes les choses qui ne sont pas forcément bonnes à dire. Et puis il y a surtout, vous allez avoir tendance un petit peu à vous enflammer. Donc restez calme, restez zen et restez détendu. On n'oublie pas, on a notre jeu concours, un petit coffret de lithothérapie à gagner avec loomterra.com. Vous avez la vidéo que vous devez partager et vous devez en parler surtout à vos amis, c'est-à-dire les nommer sur votre mur. Allez hop, je m'installe. Voilà, c'est du direct. Il n'y a pas vraiment de tricherie ici. Alors, vous avez remarqué nos petites améthystes qui sont là. Donc, toujours de chez loomterra.com. Toujours de la peinture sur mes doigts, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, notre bracelet améthyste de chez loomterra.com. Nous avons les pierres roulées. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Nous avons les petits pendentifs en cœur de chez loomterra.com. Voilà, nous avons donc toutes les mini géodes. Nous avons pour celles qui pratiquent le massage, le bâton de massage en améthyste. Alors pourquoi autant d'améthystes autour de mon dessin? Pourquoi tout ça aujourd'hui? Bien parce que pour vous montrer que l'améthyste est importante pour pouvoir calmer nos émotions. Allez, on va regarder un petit peu cette semaine, ce qu'elle va nous donner. Alors, la barrière, bon, maintenant je comprends mieux. Effectivement, la barrière qui est ici, c'est notre confinement, nos valeurs, notre vie qui est mise en cage. D'accord? Ça, c'est ce qu'il ressent. Donc, on va commencer lundi, mardi. Donc, demain, c'est un jour férié, on ne l'oublie pas. Lundi, mardi, on va avoir cette sensation d'être pris en otage, d'être pris dans un monde qui n'est plus le nôtre. Là, il y a le besoin. Alors ça ressort vraiment énormément, ce besoin de se connecter à son moi intérieur et à oser se connecter. Alors on a la méditation, on a la sophrologie, on a quand même beaucoup de choses pour pouvoir aller mieux. Les amis aussi, oser parler avec vos proches, prenez le temps aussi en famille ou avec vos enfants pour sortir, prendre l'air. Et puis là, on voit bien que le personnage a besoin de lâcher. Alors cette semaine-là, le mot d'ordre, c'est lâcher. Après, on va dire qu'il est fort possible qu'à partir de jeudi, on va avoir les énergies qui vont baisser. Alors, baisser, je marque énergie. Donc, attention, on se prépare, on ne lance pas une bataille, ou on ne lance pas un nouveau programme ou la vente de quelque chose jeudi, car ça risquerait d'être un petit peu long sur vos intentions. Après, on voit qu'à partir de vendredi, voilà, ça je vais le noter ici, il y a le mot libération qui arrive. Et vendredi, pour moi, c'est on se sent plus libre, on se sent plus joyeux. Donc, on va être sur une semaine un peu casse-bonbon, un peu lourde en émotion. Bah, voilà, c'est ce que je disais, hein. Bon oui, c'est vrai qu'on a quand même la chance de nos jours d'avoir les améthystes pour pouvoir nous libérer de nos peurs et de nos angoisses. On a les huiles essentielles aussi, j'ai pas mal de copines qui vendent des huiles essentielles. Alors moi j'irai un petit peu de lavande, un petit peu d'orange douce, et puis des petits massages, on mélange notre huile neutre avec de la gaultérie couchée. C'est ce que j'utilise quand je fais un massage pour des métiers où ils mettent le corps à rude épreuve. Donc cette semaine, on va être sur une semaine intéressante. Pour certains, il y aura des accords de banque parce que je vois des sous.
Donc, j'écris ici accord de banque, l'argent, il y a des choses qui vont se décanter. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même un côté gris qui peut être très proche de nous et perturbateur. Donc, pour rester dans une énergie positive et pour toujours maîtriser cette magie environnante et ne pas rentrer dans des conflits, parce que cette semaine risque d'y en avoir. Eh bien, on se détend, on se relâche, on a aussi nos... Ça, j'en parle souvent quand je suis en soins énergétiques, j'utilise mes bâtons de cristaux, toujours chez lungterra.com. Donc voilà, les amis, je vous dis tout de suite, la semaine va être un petit peu chamboulée. Ne dites pas toutes vos émotions parce que vous pouvez blesser les autres. Prenez le temps de réfléchir avant de parler. Et puis... Allez, on se fait plaisir, on se prend une améthyste, on la met contre nous, on écoute de la méditation, on regarde Lara qui fait du yoga, et puis on se, peut-être, on ose dessiner, on ose se mettre à des créations qui sont très très intéressantes dans l'énergie. Prenez le temps peut-être aussi de dessiner pour mieux exprimer vos émotions, car vous avez tendance à tout garder pour vous. Parfois, et même très souvent, la parole libère les émotions. Je pense que j'ai fait plus d'une minute, je ne sais pas, je pars comme ça toute seule, mais c'est pas grave. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine, et puis bah, prenez le temps de créer vos objets, prenez le temps de créer votre magie, car la magie, c'est ce que nous transmettons, c'est aussi ce que nous donnons. Donc on prend le temps et on se ressource. Très très bon dimanche avec le soleil. Toute la semaine nous allons avoir du soleil ici chez nous en Gironde. Et puis de toute façon, j'ai vu tout d'un coup la clé de la réussite. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets qui vont voir le jour. Allez, clé de la réussite. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis bah. À demain, lundi, sûrement pour la guidance du jour.